dur à 4. Ça dure pas longtemps. Juste pour répondre à la question, monsieur le ministre, c'est sur un canot comme ça. Ah voilà, c'est ça, d'accord. C'est un porte-berce. Et ça fait la taille d'une. De faire avec le service Fendant sur Toulouse une convention pour pouvoir partir avec soit un Transalp ou le M400, voire, parce qu'en fait il a la certification pour pouvoir être. Retransporté. Voilà. Donc vous partez tout le temps de Toulouse. Oui. Voilà. Là aujourd'hui c'est plus qu'à quelques jours. Voilà, c'est ça. Vous avez un problème à Mayotte. Donc vous prenez chez le tien, vous l'armez cet après-midi, vous le mettez dans l'avion ce soir et demain soir. Ouais. Vous êtes 30 minutes après atterrissage. À partir du moment où il est au sol, à partir du moment où la cellule est posée, en termes d'ouverture, en moins d'une heure, il est activé. D'accord. Voilà. Et il y a une équipe qui est attachée à la cellule de crise, c'est ça. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, donc le CHU Toulouse, par le biais de son équipe du SAMU 31, a à disposition environ une centaine de personnes qui est formée médicalement, paramédicalement. Prêt à partir, c'est prêt à partir à la demande. Ils sont particulièrement mobiles. Tout à fait. En moins d'une heure, on a dans le personnel. C'est plus SAMU 31, c'est SAMU Worldwide. C'est le SAMU national. L'idée, c'est d'arriver, à transiter au niveau de la nation à la demande, en fait. Ouais. C'est très impressionnant. Et après, je me demandais ce que vous savez faire là, mais tout quoi. Alors on vous invite à aller visiter jusqu'au fond. L'idée en fait, c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, quel que soit le patient, la pathologie qu'on prend en charge, vous pouvez aller jusqu'à faire un système de l'opérateur, mais surtout la réduction du patient intubé, lourd et avec le matériel nécessaire et l'adéquate, on part équipé, armé et autonome. Voilà, vous arrivez à embarquer suffisamment de matériel. Alors, nous, dans la cellule, là, tel que vous voyez là, le contenu, on peut arriver à traiter jusqu'à 18-20 patients et on est autonome sur la prise en charge, quel que soit le matériel, de l'intubation aux maladies simples ou à la pathologie simple. Salut, madame la députée. Salut, ça va ? Bonjour, Jean. Bonjour, d'abord, c'est Jean avec Défenseur. J'étais en train d'en prendre plein les mirettes, donc tu peux voir dans un moment. Sandrine, je suis députée de Loire-Atlantique et je suis à la commission des affaires sociales. Ah, très bien. Donc, Je ne sais pas si tu avais déjà eu la chance de, non, voilà, de voir de tes yeux, mais c'est alors, super. L'idée, c'est que vous nous invitez à venir sur votre territoire et éventuellement à vous mettre à disposition ce genre d'outils. Un avion qui débarque et l'hôpital se met en place sous tes yeux. Tout à fait. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'on a un contre-cadre avec une IHA. Pour livrer jusqu'à une vingtaine de systèmes identiques que la région Grand Est nous en a demandé déjà 3 qui sont en construction. Si vous venez à tous demain, je vous vous essaimez du coup. À partir de l'initiative, le premier a été fait, c'est celui-là. Et en fait, on est venu sur d'autres départements, d'autres régions, le présenter sous les fichiers de CGLEC, du CHU de Toulouse et des départements, des régions ont adopté ce système-là. Ça existe dans d'autres pays, vous avez une inspiration. Non. Les premiers, on est innovateurs. Tout le monde est innovateur. Tout à fait. Le Huawei n'était pas si mal dit. Et le directeur du SAMU, dans tous ses clients internationaux, n'a pas de mal à convaincre sur l'intérêt de ce SAMU. C'est un modèle qui est super adapté au. Il y a plein d'avantages. Est-ce qu'il y a quelques freins? Le premier inconvénient que Vatoulin pourrait citer, s'il devait avoir, c'est ce temps, à partir du moment où il va être demandé à la préfète ou au niveau ministériel de l'engager et de prendre la décision de savoir comment il part. En gros, on est sur cette problématique-là de ce temps comprimé, de savoir comment. Après, sur le principe, une fois qu'il est sur site, la rapidité d'exécution est largement prouvée en moins d'une heure. Il y a moyen de faire avancer ça, monsieur le ministre ?
Sur le temps de réactivité, bon, ouais. C'est ça. Ouais, c'est là, je pense que le travail de fond reste de savoir le moyen. Nous, on a un gros aéroport sur Toulouse qui nous permettrait de partir aéroporté. Et la mobilisation des vous disiez 130. Nous, on est une centaine d'agents sur le CHU. Et généralement, vous partez à combien que vous partez en mission On peut partir jusqu'à une vingtaine de personnes. D'accord. À la demande qui peut être sollicitée rapidement en moins d'une heure. Et donc, 20 sur 130, en fait, il y a suffisamment de. On peut l'armer. Ensuite, sincèrement, suivant la région sur laquelle on pourrait être engagé, on pourrait sûrement faire aussi appel aux hôpitaux de périphérie ou du site sur lequel on serait pour éventuellement monter en puissance au niveau médical. Puisqu'en fait, on peut éventuellement en faire un bloc opératoire, un bloc chirurgical, au même titre qu'un box d'urgence. C'est ça, j'imagine que tout le monde y retrouve vite ses repères quand même. On est dans un système hospitalier, qu'on le veut ou non, à structure dure. Ouais. Donc, même si c'est réduit au mètre carré, le geste et l'action qui sera effectué sur le patient reste le même. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous arrivez à. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que donc là, on voit là, le dépliage. Il fait 15 mètres de long. Mais j'imagine qu'il y a pour pouvoir embarquer le matériel. C'est réglé, c'est à l'intérieur. Il est dans la première partie que vous avez visité. Tout est géré, pharmaceutique, matériel. Il y a des brevets logistiques et tout, non j'ai ça a été acté. Ça a été acté comme ça. Oui, ouais, tout à fait. C'est protocolé, ça a été acté comme ça. Et le Covid a été vraiment le. L'accélérateur. Il a servi. Nous, on l'a déployé une cinquantaine de fois aujourd'hui. Et essentiellement sur le Covid, avec une alliance aussi pyrénéenne qui part de Perpignan jusque du côté de Biarritz, où l'Espagne a participé au financement et à la prise en charge. Donc du coup, en fait, il est parti côté Espagne, il est côté Pyrénées, et aujourd'hui, il est côté Nation, c'est-à-dire qu'on cherche à l'amener un peu partout dans toutes les régions, à travers des députés qui font en sorte... Moi, c'est la région. Et voilà, vous allez prendre contact à la société CGLEC, ça fera absolument. Plaisir de prendre un rendez-vous et de vous l'amener sur site, parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les CHU, l'idée, ça serait qu'au niveau national, on arrive par zone à en avoir un dans un délai de moins de 3 heures sur un site, ça serait l'idéal. Monsieur le ministre, vous en avez parlé d'en avoir un par ancienne région, et les regrouper par zone de transfert. Comme ça, vous allez mutualiser, on va en prendre plutôt là, plutôt là. Et puis après, on gagnera en coût de déplacement, exactement, ça sera pas. En délai d'heure, à témoin de 3 heures sur un département ou une région, on sait qu'on en a un, et la mise en place est assez rapide, à partir du moment où les gens sont formés et connaissent très bien. Je vous dis sincèrement, quelle que soit la pathologie qu'on va traiter, un médecin reste un médecin, une infirmière reste infirmière, un ambulancier reste un ambulancier, le geste sera le même. Par contre, en termes de rapidité, en dur, et le fait de ne pas avoir une tente à monter, à dégonfler, enfin voilà, on a cette possibilité d'être activé à moins d'une heure. Moi qui déploie des maisons France Service un peu partout, il y a un peu la même philosophie d'appeler le service public. Exactement, okay. Les gens vous êtes dans un shelter qui a 23 ans. Imaginez, reconditionner avec les équipes du SAMU. Ouais, le professeur Ben Saboud, qui est notre patron au niveau du SAMU 31, et qui est à la région aussi, qui appartient à la région de Titanie, a eu cette idée qui était futuriste, mais qui a redonné en fait une deuxième vie à ce type d'aventure. Et ça, c'est pas déjà, parce qu'aujourd'hui, on a prouvé, malheureusement par la pandémie, que c'était très utile, et qu'on avait besoin de ce style de l'armement. Il y a pas, mais il y a quand même, en fait, il faut que. À 1h30 c'est plié, à 1h30 c'est ouvert. Et de même on peut être à l'est et après demain on peut être sous l'ouest. L'avantage c'est que c'est la mobilité de l'outil qui peut être transporté très rapidement. Il a été conçu avec l'implication des agents aussi j'imagine. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on vient d'une société qui est la société CGLEC France et en fait avec le milieu hospitalier, le service de santé, et en fait c'est là où ça a été intéressant, c'est d'associer les deux, puisque chaque secteur était complètement indépendant et novice dans le secteur et le fait d'avoir fait l'unification des deux. Et dans une dynamique, un partenariat entre les équipes. Il n'y a pas une cahier d'échange de 300 pages. Les équipes du SAMU sont venues dans nos ateliers pour travailler voilà avec nos métiers. Propres équipes. Et ça crée une motivation très forte. Bien sûr. Vous ne pouvez pas savoir, des jours, on a des regards croisés, le savoir-être, le savoir-faire de chacun, ça leur donne du sens. C'est très simple. Et sur les enjeux d'attractivité qui sont au cœur de ce qu'on va relever comme défi. Bon, ben là, c'est un des plus gros facteurs. La motivation reste l'intérêt de chaque citoyen. Donc, en fait, en quelque part, voilà. Travaillant dans le système militaire et nous, le système santé, on a vite retrouvé la corrélation entre nous. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a le décloisonnement, qui au fond a fonctionné pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire arrêter de raisonner dans le silo.
Monsieur. Et se dire, bon, on a un objectif qui était de sortir du merdier, et qu'est-ce qu'on fait pour dépoisonner ? L'innovation par le terrain. Ça donne ça. C'est l'intelligence collective. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à croiser deux métiers complètement opposés, mais qui au final ont le même intérêt et on a trouvé ce compromis qui a été fait et qui va sûrement, on l'espère, faire des petits nouveaux. Et ça serait le but, à mon avis. Je pense que si on arrive à croiser au niveau national, vraiment au niveau zonal, ce genre d'équipement, je pense qu'on aura fait un grand pas dans la prise en charge rapide, quelle que soit la pathologie. Imaginez des déclinaisons, c'est-à-dire que là, on a une sorte de navire amiral qui se déplace. Il y a peut-être des formats plus petits en modularité pour la médecine de proximité, éventuellement, etc. Un peu dans la. Je dis ça tout à l'heure, je le disais en souriant sur le parallèle France Service sur. Service public, on voit les bus qui se développent, etc. Et ouais. C'est vrai qu'en matière d'offre de santé. En fait, à la base, c'est un poste de commandement. C'est un poste de commandement, ça veut dire qu'en fait, on peut moduler à la demande en fonction de ce qu'on recherche. C'est l'avantage, c'est qu'il est multicarte. Si on veut vraiment pousser dans l'extrême, on peut tomber toutes les cloisons et faire une salle de conférence, complètement un bloc de la maternité. À disposition au niveau préfectoral, ça peut faire ce qu'on souhaite. Voilà. Et puis vous pouvez avoir une partie médicale, une partie gestion de crise, parce que quand il faut intervenir, il faut les deux. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut comme connexion via les satellites, via les réseaux sociaux. Et là, c'est pré-équipé. Oui, absolument. Ouais. À côté, vous avez quand même sorti, on a un système de poste de commandement aussi, dans lequel on peut faire du relais très rapide via le système intranet qui fait qu'on peut très bien travailler avec de la télédistance. Oui, c'est ça, vous pouvez faire la télémédecine. Exactement. Ici. Exactement. On peut imaginer, y compris des choses un peu complexes. On peut très bien le faire. Avec des spécialistes à distance. Tout à fait, on peut l'envisager. Wow. Bravo. Surtout bravo, oui. Hein. C'est génial qu'ils aient sorti. Non, mais sur les personnes de c'est super de voir ces synergies aussi. Cette motivation est là. Parfois, on a des tabous sur le sujet de comment est-ce qu'on va faire collaborer et tout. C'est le modèle. Il n'y a pas de monopole sur l'intérêt général, mais. À partir de la fonction publique, c'est pas une bonne manière de le servir. Ah, mais on est bien notre fonction publique, on a tout bien. Super. Petit signe garnier. Bravo. Ça, c'est le dur métier de chef de cabinet. On est bien d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce visite. Merci. Tout au sud-ouest, ça me fait plaisir. Tout le sud-ouest. J'entends un peu cette action. C'est un peu plein de connexions possibles. C'est pas bien. Bon, bonne continuation. Toi, tu vas voir, moi je pars. Je monte, je pars. Au revoir.